Yo les potes, la forme ou quoi? On est actuellement en live sur YouTube. Donc je vais cut le petit moment où je vais invoquer et je vous le mettrai là. Voilà, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour des invocations sur le nouveau Thales qui est sorti. Le leader pour les boss de fil. Du coup, il y a tout ce qui est Tapion, Janemba, etc. etc. Le Bojack. Tout ce qu'il faut quoi. On a 150 DS là. On est sur le compte du frérot Méchou. Il m'a dit que... qu'il avait plus le temps de jouer sur sa jap. Donc moi je me retrouve avec 3 comptes jap. Les gars, je sais pas quoi faire. J'ai 3 comptes jap. Je pense à vous faire gagner un compte qui est pas mal avec 3 LR dedans. Pour les 5000 abonnés qui arrivent prochainement. Donc n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, vous abonner, activer les notifs, etc. pour être prévenu quand je sors les vidéos. Ça fait plaisir. Et bah du coup on va aller regarder le détecteur vite fait pour voir ce qui nous intéresse un peu. Ah, ce compte là faudrait que je vous le montre aussi après parce que c'est une dinguerie. Alors il y a le Thales, agit donc 150% de boost pour tous les boss de fil. Son passif il donne du attaque plus 40%, qui plus 3 il réduit la défense de l'adversaire de 80%, c'est n'importe quoi. Et quand il mange le fruit du démon, c'est quand en fait t'as 25% de chance, une chance sur 4 de l'activer quand il est sous la barre des 80%. Je sais que j'ai perdu la moitié des viewers là, mais en gros il peut se transformer quand t'as des bas HP, quand t'as des bas PV. Ta barre de vie elle est bien entamée, il a une chance sur 4 de se transformer et de devenir super fort tout simplement. Hein. Je crois qu'il a un boost de... attendez que je dise pas de bêtises. Donc 130% de boost quand il est transformé, quand il mange le fruit de l'arbre, comme dans le film. 130% attaque et défense. Récupère 15% d'HP à chaque début de tour comme le Zama Black. Et défense des ennemis de type super, moins 80%. C'est une brute. C'est clairement une brute. Après, je vous dis la vérité, je pense qu'on va pas en avoir beaucoup en leader d'ici 3-4 semaines. Vu qu'on a Gogeta LR et que tout le monde kiffe Gogeta et que tout le monde kiffe Vegeto. Mais bon, ça fait plaisir quand même. La carte est jolie, j'aime bien. Après, on a... bon, le Tapion agit. Clairement, on s'en fout. C'est même pas une exclusivité de Canfest. Rien à faire, en plus on l'a déjà sur ce compte. Donc le Janemba puis pas mal, pourquoi pas. Pourquoi pas, on l'a déjà sur ce compte. Je sais pas s'il y a un doublon dessus, faudrait que je regarde. Pourquoi pas, après franchement je vous dis la vérité. Doublon aussi, couleur, hein, couleur on l'a aussi, donc ça va faire un doublon. Le Golden Tech qu'on a aussi. En fait on a presque tout. Alors le retour de la carotte, ça c'est Broly. Alors Broly c'est une grande histoire les gars. Broly, il est toujours sur les détecteurs en exclusivité de Canfest. Mais il pue sa race. Genre Kay, il l'a dépassé sur le leader surtout, mais il est encore sur les détecteurs. On comprend pas pourquoi, mais bon. Bah allez, hein, c'est pas grave. Beerus Tech. Beerus Tech qui sert à rien aussi. Beerus Tech qui sert à rien. J'espère qu'il aura un ZTUR. Pour le moment, on n'en veut pas. Janemba et puis le petit Beerus. Voilà, voilà. Donc on va commencer les invocations. N'hésitez pas à envoyer un maximum de force. Merci aux frérots qui s'est abonné. On fait des multi. Allez, en mode on s'en fout. Genkidama les gars. Deux capsules. Ça sent pas super bon. Et c'est J2. Alors, que va-t-on avoir? On commence par un Tao Pai Pai. Un Janemba J. Beerus Tech. Est-ce que ce compte, je vais lui transmettre ma non-luck ou pas? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Janemba J. Encore un Beerus. Un Vegeta qui vaut 1000 points chez Baba. Je sais pas pourquoi 1000. C'est le seul Esther qui vaut 1000 chez Baba. Ah ouais, d'accord. Très bien. Très bien. On commence par une énorme multi-carotte. Ah, c'est... ah, on va la faire à l'ancienne, les gars. Vous savez quoi? On va la faire à l'ancienne. On va faire une multi-ami. On va la faire à l'ancienne. On va faire une multi-ami pour reset la chance. C'est pas vrai, hein, ça sert à rien, mais... je suis tellement dépité par cette multi sans SSR que... faut bien trouver du réconfort quelque part. Bon, allez, hop là. Allez. C'était le castivé à l'ancienne, ça, je m'en rappelle. C'était archi drôle. Il faisait ça à chaque multi, genre. Hop, allez. On repart.
1, 2, 3, 4, 5, 6 capsules. L'arc-en-ciel, ça sent bon, ça sent bon. Et c'est J1. Et c'est J2. Pas de SCJ3. Pas de nécessaire garanti. Un petit Gohan SCJ2. Puis. Pourquoi pas, mais c'est pas ce qu'on voulait, hein. C'est une très bonne carte, mais non. Très honnêtement, non. La multi-sont nécessairement plus ça. Il y a intérêt d'en avoir un deuxième. Très honnêtement, il y a intérêt d'en avoir un deuxième. Même si ça reste une très bonne carte, hein. Ça fait quand même un moment qu'il est sorti. Il a des dégâts et moins enfoncés, mais voilà. Me dis pas que c'est le seul nécessaire de la multi. Oh, Star. Oh, yo. Mais pourquoi le jeu m'aime pas? Pourquoi le jeu ne m'aime pas, les gars? Ouais, vous savez quoi? On va faire les... Bah, de toute façon, on a 65 DS, donc... On va faire une single. Tant qu'à faire, tant qu'à faire. D'accord, rien. Rien. Il n'y a clairement rien eu. Aïe, 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 il y a un nombre de marabouts incalculable dans le chat. Je vois que des chers. Bravo, merci les gars, ça fait plaisir en tout cas. Ça fait plaisir du soutien. Oula. Très bien. Bon. Attendez, on va ramener le bandana si on le trouve. Attendez, il y a pas une écharpe, mais vas-y, on va dire que c'est un bandana de la puissance, on va dire. On va dire la luck, elle est là, sur le bandana. Est-ce que je suis beau gosse ou pas? Attendez, il est un peu trop. Aïe, ya. Voilà. Le bandana est mis. Hop. On a mis le bandana, les gars. Je compte sur vous pour envoyer un maximum de force pour cette multi-invocation. C'est la dernière. On a eu que de la D. Faut avoir quelque chose. N'hésitez pas à bombarder les likes, les abonnements, etc. Une capsule. Je la sens tellement mal, cette invocation. C'est incroyable. Alors, un petit Jeanne Mbappé qui tombe, pourquoi pas, ça fait plaisir. Un petit Jeanne Mbappé, un petit doublon du Jeanne Mbappé, on prend, hein, on prend. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Allez, lâche-moi quand même un petit Thalès en plus. Ça fera l'affaire Rikoum qui monte son cul. C'est 17. Frost qui n'a pas eu de Golden Frost. J'étais là, ouais, gardez vos Frost. Ils vont avoir un Dokkan, faut les mettre Speedy Stones. Frost, il a pu sa race au tournoi. D'ailleurs, Dragon Ball Super, c'est fini, les gars. Alors, dans les commentaires, il y aura les gens contents et les gens qui seront pas contents que ça soit fini. Bon, on a le petit Jeanne Mbappé qui est tombé, ça fait quand même plaisir. Ça fait quand même plaisir, on va pas cracher sur Anéo. On a la dernière single à faire. C'est parti. Il se transforme, on a toujours un espoir. Toujours l'espoir. Il est un peu trop serré là. Le... Et un magnifique Docteur Giro qui tombe. C'est incroyable. Bon. On va jeter un petit coup. Je vais vous montrer genre vite fait, mais vraiment vite fait le compte. Mais il y a du lourd. Il y a du lourd dessus, les gars. Autant vous dire qu'il y a vraiment du lourd sur ce compte. D'ailleurs, un grand merci à Omechou pour le compte. Hein. Ah, voilà. Qu'est-ce que... Ah non. Ah non, le Janemba, il est pas doublon. Ah, le Janemba... Attendez. Attendez, si. Attendez, attendez. Attendez, attendez. Attendez, attendez, attendez. Ça, c'est la J. Ça, c'est les tech. Ça, c'est les int. Ça, c'est les puits. Mais non, je l'avais pas. Oh, bah, nice.
Nice, je l'avais pas du tout. Le Gohan, je l'avais déjà, du coup, ça fait un doublon. Ah, le Janemba, je l'avais pas, ok, je pensais l'avoir sur ce... Bah, ok, parfait. Parfait. Je crois que c'est un des seuls qui manquait sur le compte, d'ailleurs. Parce que le compte, il est assez fat, les gars, le compte, il est assez fat. Bon, bah, du coup, très content. On n'a pas eu Thalès, malheureusement, mais on a quand même eu Janemba, qui est très bon et que je kiffe, personnellement. Bon, voilà pour cette petite vidéo, j'espère que vous avez kiffé, en tout cas. Que ça vous a plu, ça vous a diverti, vous êtes bien amusé. N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos. La petite cloche aussi. Et puis voilà, je suis pas très actif en ce moment, mais vous inquiétez pas, on va revenir bientôt pour bombarder. Je fais au moins une vidéo par semaine. Et on arrive bientôt aux 5000 abonnés. Je vais vous faire un petit cadeau pour les 5000. Ça sera un truc qui est assez lourd, vous verrez. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.